techniciens qui sont derrière sont agronomes ou agroforestiers, monsieur, et monsieur sont entrepreneurs. Donc, monsieur, parle-nous. Comment situation est du côté de la Grande Est? Nous remercions un peu, monsieur Léopold, pour répondre à l'invitation. Et bonsoir, Christine Farrell, et bonsoir à toute équipe là, et bonsoir à toutes auditeurs et auditrices qui ont écouté nous dans le moment ça. En effet, non, moi, c'est Alcène Léopold, et jeune entrepreneur. Moi, c'est président régional pour une fondation communautaire, Haïtien Espoir, qui travaille sur toutes 13 communes qui sont dans le département. On a fait un travail d'accompagnement et puis bah, financement pour capable financer des initiatives communautaires. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans émission cet après-midi, hein, qui a gagné pour débattre problématiques sur sécheresse qui a traversé la région Grand Est en particulier. C'est un d'entendre, nous pas souterrain, ou du moins 13 communes. Est-ce que situation aussi grave que ça entendait? C'est vraiment grave et j'ai autant de là parce que si moi fais un constat vous, c'est que au niveau de toute 13 communes depuis notre dernier semestre 2022, il y a un SOS qui est lancé pour problème d'eau. C'est que la pluie n'est pas tombée, parce que sur toutes 12, sur toutes 13 communes, Simbra, Aumont, qui sont zones d'adi agroécologique, sans zone d'adi et abri tombé. Et si nous prenons par exemple zone, aller dans zone d'Amari, qui sont zones qui ont bonne partie là-dedans, qui est humide, eh bien, l'abri tombé depuis novembre. Et c'est même panorama pour presque toutes 13 communes. En Donc, général, comment ça permet y est? moi. Est-ce que en période d'appui, en général? Oui, en général, il y a une saison hiver là qui compte bail en pile la pluie. C'est-à-dire depuis mois octobre, novembre, toujours il y a en pile la pluie dans la Grande Anse. Et l'autre mois de mai également, son mois plus vieux que l'île, toujours bail en pile la pluie. Mais tout pendant le premier semestre 2023, ça, nous pas enregistré presque la pluie sur département et Grand Est, sauf quelques rares côtés dans zone humide, il y a quelques gouttes de la pluie qui tombaient. Mais le fait que données pluviométriques ont fait nos défauts, nous pas capable de dire avec exactitude quantité millimètre la pluie qui tombait, mais ce qui est certain, c'est que il y a un gros problème de sécheresse qui a traversé toute la région Grand Est là pour le moment. Est-ce que c'est la même situation dans le sud, les NIP, parce que département ça, c'est département voisin au Goyer, est-ce que c'est sous grand sud là que nous avons subi, nous sommes capables de sécheresse ça? Ce n'est pas seulement en Haïti, Christelle, où on a un problème de sécheresse, ça, catastrophe, ça, c'est un problème mondial lié avec la question du réchauffement climatique. Il y a une péninsule sud-là qui a frappé actuellement par un problème de sécheresse, ça. Et Grand Anse, qui représente un groupe green pour. Et on a dit Port-au-Prince, actuellement là, il y a une faiblesse, nous n'avons pas suffisamment de vivres alimentaires pour voyer sous Port-au-Prince, ajouter sur tout problème d'insécurité qu'on a eu. En fait, c'est pas ça qui commence le problème, non, parce que... Alors, Vas-y. si vous permettez-moi, faire on tire aller sur constat. C'est que gain plus passé et 75% récolte qui perdu dans 6 saisons. Là, nous parlons de 6 saisons, nous avons période octobre-novembre. Et donc, que ce soit au niveau de basse, moyenne et altitude, toute récolte ça a perdu. Et l'opéral prend récolte printemps, préparation du sol, il a supposé faire à partir de décembre, janvier. Mon n'y a pas prudence. Eh bien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas préparé le sol. Qui vient faire que saison printemps, nous risquons de rater. Et dire rater saison printemps, voulait dire que nous allons gagner un gros problème puis devant pour que nous soyons capables d'alimenter la population. Et majorité sous l'eau pour le moment, et Christian, il faut que nous clarifions ça.
sous tout département Grand-Anse, sous l'eau séchée. Et majorité rivière nous yo atteint un débit qui est plus bas que nous n'avons jamais enregistré. Et donc, de mon a fait plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Si je prends référence comme une Beaumont, qui est obligé de monter juste rivière glace pour aller chercher de l'eau. C'est tout un problème pour qu'on y a. Comme une Pestel en particulier, qui était déjà son dans période, qui était déjà un gros problème, eh bien, actuellement là, c'est SOS qui sous Pestel. Et ce problème qui est lié à la commune ça en particulier, c'est que route n'est pas bon. Li pas permettre, même si vous avez une possibilité pour faire camion venir pour de l'eau Pestel, pas gagner aucun camionneur qui a accepté de prendre contrat pour aller dans la zone ça. Et donc, m'a profité et émission ça pour parler avec l'autorité l'État pour regarder qui j'en passe mes routes là qui pour faciliter à ce que camion de l'eau capable de passer. Autorité locale, Ça a pour vous faire occasionné réflexion du également. tout sur ça? Autorité Pardon? locale, pour... avant d'arriver à Port-au-Prince, est-ce que l'autorité locale, pour vous faire aucune réunion, réflexion sur le problème sur parler là qui est extrêmement grave? C'est pas son petit catastrophe, mais on va expliquer nous là. Et pas oublier Kessler. Question ça, c'est une question qui est très sensible. Parce que pour qu'on y ait, sur le plan politique, ce n'est pas ça qui est préoccupation. Yo. Donc, préoccupation, c'est question élection pour organiser, etc. Mais pour qu'on y ait, son gouvernement qui n'a pas rien comme action que la entreprendre, voire pour l'État pencher sur le problème et sécheresse qui a écrasé le département. Parce que là, je pense que c'est. Situation beaucoup plus grave, les que nous prenons arriver dans la saison été. Si depuis qu'on y a là, nous avons un problème de l'eau, et donc saison été a beaucoup plus difficile. Difficile pour mon joindre l'eau pour boire, difficile pour producteurs continuer à joindre de l'eau pour jardin. Et nous connaissons, Alors, dans le grand temps, ça va Alsan, être. question, c'était surtout, est-ce qu'au niveau local, la table sectorielle, est-ce que le problème n'a posé avant de vous information au Port-au-Prince? Est-ce que ça fait déjà? Au niveau de table sectorielle agricole, oui, problème n'a posé. Problème n'a posé, et sur les réseaux sociaux, sur tout groupe qui gagne, c'est tout partout que SOS a pour problème sécheresse qui gagne au niveau du département de Gradas. Mais pour le moment, pas gagné en rien en termes de décision qui prend pour être capable d'arriver au secours Mounio qui est en difficulté. Comment ça paraît dans le marché? Puisqu'on dit que pas de manger, nous connaissons cap sorti Port-au-Prince à cause de problèmes route, chaîne d'approvisionnement, mais qu'on y a localement, qui produit qui est affecté là? Loin le marché, ça cap passer. Indicateur comment vous y Alors, écoutez, Kessner, c'est presque, on a dit, sur tout marché de production, marché de regroupement, on constate qu'il y a une faible disponibilité de produits locaux. Qui donc, fuit au Léovigny, au Tréchétif, et il y a une grosse rareté actuellement pour produits première nécessité. Que ce soit pour haricots, pour maïs, prix pour le moment a grimpé. Dans le marché de production, yo, déjà, on m'a mis trois, déjà passé à 1000 gouttes. On m'a mis maïs passé à 500 gouttes. C'est déjà des problèmes qui sont déjà enregistrés au niveau de marché. Donc ça paraît que Mounio a souffert parce que là, et du côté du producteur, parce que ce dit là, Mounio pas capable de produire, et du côté du consommateur, donc et offre et demande, ça s'est affecté là. Et comment ambiance là, comment situation y est dans le département aujourd'hui avec sécheresse, ça a pas affecté comme ça. Et nous allons, mais certainement, est-ce que pour fonctionner, est-ce que quelqu'un qui sortit pour le à travers la mer pour venir? Et pratiquement non. Sinon, c'est ciment seulement qui arrivait sous port là. Mais il ne faut pas oublier tout. Population grande, c'est une population qui prend plusieurs chocs en série
Là, vous considérez au sorti dans cyclone Matthew, il n'est pas fait. Il est passé dans Corona. Il prend tremblement de terre 14 août là. Il prend plusieurs pays log, que ce soit pour problème insécurité, pour problème carburant, problème pour qui donc une population de stress continu. Qui donc niveau de précarité mon yota vivre depuis a vient aggraver totalement. Qui donc c'est majeure population qui était déjà vivre dans situation difficile qui trouvait au connier à faire face à une sécheresse. Alors nous dépendons totalement de l'appui. C'est vrai nous gagnons des espaces irrigables, mais dans grand sens nous pas gagné même 2% sol qui irrigué. Et si, même si nous avons gagné l'irrigation, nous n'avons pas de gros problème pour le moment parce que toute rivière a baissé considérablement. Vous voyez? Et là, nous considérons l'importance de l'eau gagnée dans la culture. Là, nous considérons besoin de chaque jour en eau. Son situation qui est vraiment catastrophique pour le moment. Il faut que moi dise, nous sommes en crise de l'eau. Et grandance qui te paraît comme une zone et humide, nous, à quel niveau que nous frappons pour le moment, et ça mettait nous dans une situation vraiment inquiétante pour le moment. Rappel ou fait là très important parce que c'est un département qui jusqu'à présent puis boisé. Bon, parce qu'il n'y a pas de route, nous connaissons très bien. Donc, quand il y a route là, comment c'est venu, nous comment c'est senti. Mais où dit-on que gros problème d'eau dans la rivière, pas seulement pour affaire de faire agriculture, mais pas de l'eau qui circule dans la rivière, ça qu'on fait. Qui passe par la rivière qu'on gagne? Dans grand sens, nous gagnons trois grandes rivières. Nous gagnons la rivière Gantance, nous gagnons la rivière Volduog, nous gagnons la rivière Ouzo, et nous gagnons l'autre rivière, par exemple, rivière Tiguinodé, qui actuellement là, presque tellement débit à faible. Mais il faut me signaler pour Kesnel, pendant la période, et ça là, prix camion de l'Occitane quadruplé. Quadruplé pour trois raisons. Alors, gagne un problème de disponibilité, hein? Gagne une demande là qui augmentait considérablement. Et Mounio pas gagné suffisamment de ressources pour le moment pour y faire acquisition de camions citernes. Mounio obligé de faire de longues distances, justement lever bonnet pour aller chercher de l'eau bien loin, que ce soit dans la zone rurale, que ce soit dans la zone urbaine. Donc, ce qui signifie que je vais expliquer une situation là. On est dans Port-au-Prince, je viens nous pas bon même avec tout problème d'insécurité. Insécurité, pas seulement physique en termes de comme si kidnapping, mais insécurité, bon, grande insécurité là, au niveau alimentaire, au niveau, on ne peut pas vivre sans l'eau tout. Donc, ce qui signifie que vous faites, vous avez une information sur 13 communes et côté de concentration urbaine, pour Jérémy, vous sentez pression, hein? Oui, certainement, nous-mêmes au niveau de la Fondation Communauté Haïtienne Espoir, nous avons gagné un gros rassemblement avec les représentants et toutes les 13 communes. Et c'est l'espace côté problème nous poser et c'est l'espace tout côté nous garder et défi. Problème ça, problème sécheresse ça qui posé actuellement et dans le grand sens sont problèmes qui tentent pour décapitaliser non seulement exploitants et agricoles, mais son problème qui actuellement a baissé le pouvoir d'achat presque toute famille. Lorsqu'on considère dans la zone qui peut reculer, comment c'est que les gens ont abandonné l'exploitation agricole. Justement, ça va accentuer le problème exode rural là, sur Port-au-Prince. Parce que les mounio raté saison et si saison octobre, ils ont raté grande saison ça, saison printemps, ou pral ouais gonfle moun, même si y a un problème de sécurité Port-au-Prince, qui pral obligé venir dans la ville de Jérémie, ou bien qui pral
et compliqué problème dans ce Port-au-Prince. Parce que moun yo naturellement yo obligé joindre de quoi pour yo vivre. Et si pas gagne rien pour faire, et c'est à ça que nous allons arriver. Rappelez-moi un produit qui nous avons réalisé dans la petite saison et dans la grande saison, parce que même nous-mêmes, Port-au-Prince, puisque nous ne pouvons pas faire manger, le département, ça a passé ça, particulièrement dans la zone métropolitaine, là, nous avons quelques produits qui sont dans la grande saison. Donc, en aval, nous avons subi ça. Qui produit là qui a plus de problèmes et dans deux saisons que nous avons raté du côté de la grande saison? Alors, que mon fait qui permet de joindre l'argent plus rapide, c'est haricots et puis maïs. Ça, dans six saisons. Mais dans grande saison, non seulement mon fait haricots, il fait maïs, mais c'est là tout, il profite pour mettre vivre alimentaire, il marie culture ça, non seulement avec patates, manioc. Et puis, quelques zones dans le jardin, yo mette yam, yo mette banane, yo mette l'autre produit qui pour compléter et jardin. Voilà. Et donc, c'est ça. Nous risquons de rater grande saison parce que c'est je fais ça trop fort pour le moment. La produit cité là, qui est-ce qui connaît été local et qui est-ce là de sortir à l'autre département, et particulièrement à l'autre département de l'Ouest là? Dans le département de l'Ouest, là, on rejoint en grande majorité haricots. Majorité haricots montée sur Port-au-Prince. Bon, grande partie de maïs qui montait. Mais on rejoint vive alimentaire, surtout quitter et Ville-Jérémie pour aller à Port-au-Prince. L'EMD vive alimentaire au Grand-Yam. Et donc, commune Beaumont s'est spécialisée dans la production yam. Pile yam montée sur Port-au-Prince. Ou bien la commune de Chambé-Lamafran, qui produit en pile yam monté sur Port-au-Prince, et ou bien la zone bonbon et rivé juste abricot, qui en passant par un sucre, qui produit en pile banane, qui toujours quittait région pour aller à Port-au-Prince. Donc, vous voulez dire, nous préparer nous à faire yam avec banane, sortir dans le grand est là, ce n'est pas facile. Et si nous avons pris, nous commençons à monter, c'est un amont problème. Bon, moi, encore, et avant de mettre fin à l'interview, parce qu'on peut avoir pile d'informations importantes pour nous, soit faire économie, particulièrement produits alimentaires, qui déjà, et c'est un secteur qui est plus élevé, le panier ménager, là, au niveau des prix pendant ces derniers mois. Nous connaissons agroforesterie. Est-ce que l'image n'a pas gardé sur les réseaux sociaux, soit fait zone qui a brûlé ou pas trop loin de Makaya, dans le département? Est-ce qu'il y a des zones vraiment qui, dans le département, qui ont des problèmes à cause de sécheresse-là, ou encore, il y a même des gens qui disent que c'est des bails volontaires, l'homme dit volontaire là, c'est un petit peu criminel même. Quelle information est-ce sur le dossier ça? Alors, information dérivée dans les oreilles, non? Et effectivement, je dis à même, au niveau de la fondation, nous prenons disposition pour que nous fassions équipe pour regarder ce qui passe. Mais information, je t'ai fait quoi que c'est dans la zone tampon Makaya, dans la zone Yorélé, dans Boapin, que du fait ça les prend. Mais nous t'as dit, peu importe l'origine du fait, mais c'est sur cela arrêté. Comme on cause qui t'a produit et fait. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau de la FCH, nous prenons disposition pour que nous allions sur les lieux pour nous regarder effectivement ça qui passait et puis parler avec Mounio pour nous regarder dans quelle mesure nous sommes capables d'aider freiner ce genre de pratique ça si effectivement c'est à d'autres criminels. Ou font relation entre ces sécheresses-là et du feu capable prendre au niveau des forêts. Oui, certainement, ça qu'on arrivait. Ça qu'on arrivait que gain du fait naturellement qui éclatait dans zone yo. Mais le plus C'est souvent sûr. tout gain de monde qui profitait de nouvel espace agricole qui profite de ces choses là pour passer du fait sous non. OK. C'est un phénomène naturel. Et Moi, donc ça veut dire. pour nous regarder ça. Comme agroforestier, ben nous, non. Qui ça pour nous faire là? Parce que j'ai un problème dans le changement climatique là. Peut-être nous retourner sur ce sujet sans l'autre là. Qui ça pour nous faire pour nous protéger? Ti reste ça tout petit. Que nous étions
nan forêt yo et zone côte ya qui est une zone qui est censée plus boisée en de pays ya. Alors, nous devons faire une recommandation de manière plus globale par rapport au problème de sécheresse qui pose actuellement. Alors, nous-mêmes, Haïtiens, nous avons de très bonnes habitudes. C'est pour ça que je conseille pour que y ait plus de solidarité qui fait dans la communauté pour question de l'eau, pour être capable d'aider l'autre. Et deuxième bagaille, moi, je voulais suggérer, je pense qu'il faut que l'État t'as suspendu, même si c'est de manière temporaire, production charbon. Parce que ce n'est pas normal pour que en zone d'un coup haute vol drogue qui baille en pile manger pour gagner plus que 5 camions chaque semaine qui quitter zone ça pour aller Port-au-Prince. Et c'est même cas de figure ça pour camions qui sortent sous zone abricot en Zucler et bonbon qui entrent sous Port-au-Prince. Et donc, je pense plutôt faut que tu as gagné des dispositions qui prend au niveau de l'État à travers DINEPA pour nous t'a préparé saison été à Cap Vinir. Je ne sais pas si c'est de fourrage qui t'a dû faire dans zone côté. Le problème d'en présenter là, c'est que même camion qui prend l'eau, il pas joindre de l'eau. Son problème de disponibilité. Et donc, m'accentuer sur ça, son façon. N'est pas travers nous-mêmes, tout bon côté par nous, il faut nous garder comment anticiper. Par rapport à problème ça qui vient là, pense qu'il faut que l'État a son genre. Même si au niveau du gouvernement actuellement, bah ouais, rien comme action qu'a fait, même penser faut que tu aies gagné des subventions qui allaient supporter le secteur agricole là. Je ne sais pas qu'on ait un mécanisme pour arriver et joindre le principal. Même penser faut que bon bagaille qui fait. Parce que vraiment, son situation qui est vraiment dégradante pour le moment. Et je pense tout comme palliatif qui vient. Et pour aider les gens qui sont plus vulnérables. Parce que là, vraiment, son crise que nous avons traversée pour ne pas arriver dans une situation de famine, dans sa notoriété, les autrefois misère, oui. Et je pense que tout faut que agriculteurs, son message nous a bien aimé lancé pour toute ONG qui a intervenu dans le département de l'Anse, pour gagner un accompagnement soutenu qui bail pendant la période ça. Pour aider agriculteurs à changer pratiques culturelles. Cette question de brûler espace pour capable de nouvel espace ou bien les affaires jardins pour au moins nous savons encore nous-mêmes à détruire. Hassan Paul, mon cher, pour ton bonne contribution pour nous. Et dernier indicateur d'abonnement, est-ce que l'état d'alerte rouge? Je dis à l'indépendement ou même l'analyse par qui peut attirer l'attention aux autorités centrales et même au KPD pays d'Haïti. Département, ça que nous prenons aujourd'hui comme échantillon, le problème que nous vivons là aujourd'hui, particulièrement sécheresse, c'est au niveau rouge là, vous sentez ça? Je pense que c'était un bagage qui était allé au-delà de rouge là et pour nous apprendre. Pour Merci Jean, beaucoup. moi-même, à partir de situation, ça a ravagé presque tout le département de Bien content qu'on attire l'attention et population grande là, il y a coûté nous tout et à travers pays a, et reste haïtien à travers le monde pour autorité eux même tout comprendre que la situation est extrêmement grave. Bon, merci un peu pour contribution sans pour nous. moi, remercie auto question Farès, c'est un plaisir. OK, merci bien.